Matteo Ahlinvi pourrait quitter Dijon. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Bienvenue dans ce Flash Info, Chap Chap. Vous savez, parmi les informations qui concernent bien sûr Matteo Ahlinvi, on va parler de deux autres sujets, donc restez scotchés du début jusqu'à la fin. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne, nouvelle chaîne créée bien sûr. L'ancienne chaîne a eu quelques problèmes. Pour ceux qui nous reconnaissent bien sûr sur cette chaîne, on veut faire le nécessaire, likez la vidéo au maximum, abonnez-vous. Sans plus tarder, rentrons dans cette On démarre par Matteo Ahlinvi, le milieu défensif des Guépards. On va parler de lui rapidement. Matteo Ahlinvi, il évoluait à Dijon avec sa Saturnin à la baie. Dijon a été relégué en national équivalent de la 3e division. Dijon a joué la Ligue de BKT. Ahlinvi pourrait bien sûr débarquer encore en Ligue 2. Lui, il ne va pas jouer national, bien sûr. Il pourrait jouer de l'autre côté de Paris FC qui joue en Ligue de BKT ou à Quevilly Rouen. Voilà l'information qui est tombée. Matteo Ahlinvi, et c'est un joueur pétri de talent et il a fait une fin de saison très satisfaisante, et côté écurie aussi il se donne à fond. Si Matteo Ahlinvi part bien sûr à Paris FC ou bien à Rouen-Quevilly, ça voudra dire que Dijon va rester en 3e division. Et bon, le joueur n'avait pas trop joué en début de saison, même en milieu de saison à Dijon. Il y a des matchs où il n'est même pas convoqué, donc l'idéal serait que le joueur aille chercher bien sûr ailleurs. Matteo Ahlinvi, il faut qu'il aille chercher ailleurs. Bon, en tout cas, un bien pour un mal, et joueur à Paris FC, ça va lui donner encore beaucoup plus de cote de popularité et de visibilité que d'aller jouer en national ou bien en 3e division dans un club qui était en Ligue 2 et qui ne te calculait même pas. Donc le joueur, il a intérêt à partir. On va poursuivre avec l'épisode des joueurs de WIDA qui vous soutiennent. Bon, c'est vrai que bon, on ne l'a pas notifié dans les news ici, mais ça a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, ces joueurs qui ont été arrêtés parce que réclamant bien sûr leur salaire. Et par rapport à cette situation, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin a porté plainte contre la direction de la JSO, c'est-à-dire la jeunesse sportive de WIDA. La plainte a été déposée à la direction du travail, bien sûr, et ils vont statuer sur ces cas. Bon, les joueurs aujourd'hui, moi je n'avais pas abordé le sujet parce que les joueurs, c'est leur faute aujourd'hui. Il y a des joueurs qui évoluent, qui jouent sans manager, sans agent. Et un joueur ne peut pas aller sur pied, un joueur ne peut pas aller réclamer un salaire lui-même. Il faut un contrat et c'est le manager qui fait ce genre de courses, c'est l'agent qui fait ce genre de démarches bien sûr. Donc, chers joueurs, il faut avoir des agents aujourd'hui, il faut avoir des managers qui pourront bien sûr traiter vos dossiers. Et quand tu as des problèmes administratifs, des problèmes d'ordre juridique, des problèmes financiers, c'est l'agent qui va aller négocier tout ça. C'est pas à toi d'aller réclamer un salaire. Donc ces joueurs ont été enfermés. Bon, en tout cas, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin est en train de porter plainte contre la JSO, à la direction du travail. Maintenant, est-ce que l'affaire doit aller à la direction du travail? Bon, parce que bon, il y a déjà des sociétés sportives qui entrent en ligne de compte, ça pourrait aller là-bas. Sinon, il y a la FIFA là, il y a le tribunal arbitral du sport de Lausanne. C'est pourquoi la transition est toute trouvée. On va aborder un sujet. Le club Offmas, bien sûr, qui est sommé par la FIFA de payer environ 7 millions, c'est-à-dire 6 800 000, bien sûr, en termes d'indemnité à son ancien coach, bien sûr, Thia Sekone, pour rupture du contrat sans juste cause. Rupture du contrat sans juste cause. Ils vont payer 6 800 000 à cet entraîneur-là. C'est vrai que c'est sûr que cet entraîneur, il a un agent, il a un manager qui a suivi le dossier, qui a déposé le dossier à la FIFA. Et c'est la FIFA qui est en train de sortir, bien sûr, Offmas, ce club de Super League Pro béninoise, en tout cas. Faites les choses dans les règles là, sinon la FIFA va vous taper du poing sur la table. Ils ont à peine 2 semaines pour payer l'argent, pour payer les 6 800 000. Voilà les quelques informations qu'on tenait à partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez la vidéo. Ciao, ciao. Bye.